Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou, je vous remercie. Droite, gauche, boum. Alors, cette vidéo, normalement, si tout va bien, et tout ira bien, j'y crois, ce sera une vidéo qui sera disponible samedi à 11h30. Pourquoi? Parce que j'ai envie de la mettre à cette heure-ci, je me dis, tiens, vous venez peut-être de vous réveiller, vous avez fait une grasse matinée, vous méritez une vidéo de GTA. Cette vidéo, ce sera une vidéo entre guillemets un peu blabla où je vais tenter pourquoi pas des petites figures, voilà, comme ça. Bien entendu, c'était prévu à l'avance que j'allais réussir ça. Des petites cascades, oh là, attention, excusez-moi madame, etc. On va aller aussi vite fois au Montchouliade avec la moto, parce que j'ai envie d'aller au Montchouliade. Pour moi, c'est un rituel de passage. Je sais pas comment dire ça. Certaines personnes, quand ils ont une nouvelle voiture, une nouvelle moto, ce qu'ils font, bah, je sais pas, ils vont faire quelque chose avec. Moi, il faut que j'aille au Montchouliade. Si j'y vais pas, eh bien, y a un truc qui va pas, je me sens pas bien, voilà. Donc, on va y aller tranquillou, et je vais vous poser quelques questions. S'il vous plaît, si vous pouvez y répondre en commentaire, pour ceux qui sont intéressés par les vidéos de GTA, parce que bah, ça va vous concerner, surtout vous. Oh, allez, regardez-moi ça, ce roi de la cascade, on le connaît depuis X temps, où on va pas forcément y aller par la route basique, hein. On va y aller tranquillement comme ça. Alors, la première question, c'est... Madame Baker, s'il vous plaît, calmez-vous. J'avais fait des vidéos à l'époque, c'était en 2017 ou 2018, j'avais une bonne résolution, c'était de faire une vidéo par jour de GTA où on aurait fait des choses différentes, des petits défis, je vous raconte ma vie, je vous raconte plein de choses, on fait des vidéos avec des abonnés, bah, ouais, j'avais ça. Et après, bah, je me suis un petit peu désintéressé du jeu parce que bah, j'en avais un peu marre d'y jouer et j'ai tourné que deux épisodes. Deux épisodes, un indice, c'est la planète des singes. Il s'est passé un truc de fou dans la vidéo et c'est en deux épisodes. Je les ai jamais sortis. Ces deux vidéos, elles sont prêtes, elles sont enregistrées, c'est des vidéos de l'époque et tout. Moi, je trouve super drôle et bien, en fait, je me dis, mais comment j'ai pu arriver à une situation pareille dans le jeu? Et bah, la question, c'est que j'ai jamais osé la poster, cette vidéo. Enfin, ces deux vidéos qu'elles sont ensemble, c'est un duo. Est-ce que ça vous intéresse que je poste ça dès lundi? Comme ça, bah, lundi, l'épisode 1. Pourquoi pas mardi ou mercredi, l'épisode 2. Et bah, si ça vous plaît, de continuer cette série quelques années plus tard. Cette série, c'est simple, hein. C'est comme là, je fais n'importe quoi dans GTA. Il peut se passer tout plein de choses. Au secours! Il peut se passer des choses comme ça. Je vais pas aller sur un mode multijoueur, me faire des potes, me faire des ennemis, faire la guerre, tenter des choses. Pourquoi pas me donner des défis que je pourrais accomplir ou pas. Voilà, c'est vraiment la question. C'est celle-là, la plus importante, c'est celle-ci. Donc s'il vous plaît, même les abonnés un peu, comme on dit, de l'ombre, si vous pouviez me donner une réponse en disant Nasser, on est chaud, balance les deux épisodes, la planète des singes et tout, vous allez voir, c'est hyper drôle. Et après, pourquoi pas faire autre chose. Et si vous avez des idées que je pourrais faire en solo, parce que oui, les vidéos avec les abonnés arriveront en temps et en heure, vous inquiétez pas, ça arrivera. Mais surtout, si vous avez des petits défis à faire sur le jeu, pas trop compliqué, hein, vous me connaissez, je suis pas le genre de personne qui est forcément hyper doué sur GTA. Des petits trucs, je sais pas, de conduire comme ça en sens inverse, en faisant quelque chose, voilà. Je sais pas. Oh, non, non, au secours, ma moto, ma moto, elle est où? Oh non, 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 pas dans l'eau. Aïe, aïe, non mais attends, mais non, je pensais que j'allais survivre, mais non. Oh, j'espère que ma moto va bien. Où est-ce qu'elle est? Maintenant, elle va pas bien, votre véhicule a été détruit. Oh là là, ça, c'est ma vie dans GTA. Comment la moto, tu vois, le bon qu'elle a fait, c'est fou. Bah, je vais te faire appeler ma mutuelle. Et ça, voilà, c'est des vidéos GTR. J'aime pas couper ces moments-là. Je me dis, ça fait partie un peu intégrante du jeu. Alors, balance tout. En plus, on s'est payé 2800, alors que, franchement, entre nous, est-ce que je l'ai fait exprès? J'ai voulu prendre un petit saut, tranquillement, ou je sais même plus ce qui s'est passé. Je me sens trahi par le jeu. Je vous le dis. Donc voilà, vous me dites des petits défis que je pourrais faire, je sais pas, à la base militaire, tenir plus de 5 minutes avec une moto, faire ceci, faire cela, tenter avec un véhicule qui est sorti entre-temps de monter le Montchouliade. Voilà, proposez-moi des choses assez sympas que je pourrais faire, et on fera ça tranquillou, parce que, pour le moment, bah, j'ai envie de jouer au jeu en solo, reprendre un peu les bases, et après, vous inquiétez pas, le retour de la base militaire, on va attaquer la prison, tout ça, ça va être repris, il n'y a pas de problème. Attendez, maintenant on va appeler le mécano, s'il vous plaît. Ramenez-moi ma moto. J'ai envie de conduire la moto que je trouve hyper classe. Et tellement bien pour faire des petites cascades et tout.
Hop là. Ça va, on n'est pas beaucoup dans la session, c'est bien. Tout à l'heure, quand j'ai commencé la vidéo, enfin juste avant que je commence, j'ai entendu un tank. Alors, est-ce que j'étais fou tout à l'heure ou pas? J'ai entendu un tank dans le jeu. Mais je dois être fou. Je dois être... Ah non, voilà, il y a un tank. C'est qui? C'est Enzo. Ah, Enzo l'a dit, moi, carrelage au tank, je vais tous vous déglingue. Pourquoi pas... Non, je vais pas l'embêter. J'avoue, je serais bien parti le voir, lui péter son tank, mais on sait ce qui va se passer. Il va me détruire. Il va me spawn kill. Et je vais finir par mettre en passif, comme un pauvre petit cochon. Oh là, regardez-moi comment il cabre sa roue. Il est tellement fort. Il a peur de personne. Oh, oh attention. Oui, il a peur de personne, mais quand même... Et si on faisait un petit tour aussi à la base militaire, on va aller voir les militaires, voir ce qui se passe. Détruire la cargaison. Non mais, tu vas te calmer. Normalement, avec la moto, on peut y aller. De toute façon, vu comment elle peut prendre des bumps, cabrer, tout ça, vraiment, ça passe tranquille. Ouais, non. La probabilité que je touche la pointe sans réussir à rentrer, si je vous avais dit, je vais tenter de faire ça, je l'aurais pas réussi. Et genre là, ça passe tranquillement. Allez, on y va. Par la puissance du clown ancestral, donnez-moi la force, s'il vous plaît. Voilà, là on a pris ce qu'il fallait. La petite cascade qui passe bien. Hop, on se remet. Ouh, on a réussi. Alors là, il y a un hélicoptère à gauche, il y a la tour, tout va bien. Est-ce qu'on entend des bruits de tank? Ouais, vous savez quoi? On tente des petites cabrioles là. Hop là. Aïe. Oui, c'était prévu bien sûr. Hein. Vous me connaissez. Tout ce que je fais à l'avance, c'est prévu. Il n'y a aucun problème. Alors toi... Voilà. C'est vrai que peut-être que j'ai acheté un bunker, du coup les militaires ne me prennent pas pour un méchant. C'est pour ça que je l'ai écrasé, c'était exprès pour ça. À part c'est quelque chose à faire en particulier. Ah j'avoue, attaque de base militaire du coup, ça va être compliqué. Oh, salut toi. Allez, on se tire. Et je vais vous faire une cascade. Regardez bien, vous êtes prêts? Un truc que vous avez jamais vu, n'importe où. Alors, est-ce que ça vaudrait pas un... Nasserou sur 10, tout ça. Je vous fais la même... Allez, vous êtes prêts? Voilà. Ouh là là, ça me tire dessus. C'était pas prévu. Hein. Que je fasse ça à la base militaire, j'avoue. C'est quand je l'ai vu. Ah, moi, je sais pas vous. Hein. Moi, je vois la base militaire, c'est... J'ai des envies. Attendez. J'ai des envies. C'est la base militaire. C'est je sais pas. C'est un déclic. C'est comme une personne qui va voir une belle part de gâteau au chocolat, il va se dire, moi je la veux, je veux la manger. Allez, au secours. Oh les tanks, bien sûr que ça se détruit tout ça. Et voilà, vous pensiez faire quoi ici? C'est ma base militaire, elle m'appartient. Maintenant le défi, vous savez c'est quoi? Je vais essayer d'atterrir, je remets les roues. J'atterris à la base militaire, je reprends ma moto et je me bats. D'accord? C'est le défi du jour. On tente le défi à la base militaire. Ça sera le titre de la vidéo. C'est pas faux, hein. On tente des choses. C'est bon. Alors, je crois que je me suis garé. Attends. C'est où que je me suis garé? Si. Ouais, franchement. Est-ce qu'on s'est pas bien garé? Alors... Ouais. Il m'a pas vu. Je suis aussi transparent que l'eau. Eh oui. Tu sais quoi, on va passer par là. Hop. Ni vu ni connu. Ah mais capitaine, désolé. J'ai d'autres choses à faire. Par contre, comment on fait pour se barrer de la base militaire? Je me souviens plus. Est-ce que si je passe par l'entrée, on me dit oui? Non mais tu sais quoi? Oh là là. Putain, franchement, c'est pas permis de faire ça. J'étais sûr de pouvoir me barrer comme ça, en mode tiens, je vais planer et tout. Eh bien ouais. Oh là là. Mais... Non. Bonjour, ça va? Comment on va faire pour s'enfuir? Attendez, on va passer par là. On va le faire bien. On va essayer de trouver, dès qu'il y a un chemin à gauche,
on le prend. Ah mais... Ou au pire, on va se la faire à l'ancienne. Tu fais ça. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je me... Arrêtez. Je me suis enfermé tout seul. C'est pas grave. Je vais trouver une autre solution. À chaque problème, il y a une solution. Et la solution, bah, je vous le dis... Salut. Je vais la trouver. Dès que je vois un truc... Non, non, non. Oh, j'aurais pu prendre celui-là. J'aurais pu le prendre. Non, mais en fait, là, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Salut. Allez, non, non, non. Je tourne pas en rond, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je tourne, mais pas en rond. Ouais, mais si on passe par là, on pourra jamais sortir. Il me faut une sortie, s'il vous plaît. C'est là que j'aurais besoin d'un plus 1 pour qu'il puisse prendre un hélicoptère, il m'embarque. Et salut les cow-boys. On se barre. Ah, ils sont toujours là. Ça va, 3 étoiles. Généralement, ils sont gentils. Allez, peut-être qu'on peut partir d'ici comme ça. Attendez. Ouais, bah oui, on peut partir comme ça. Et voilà. Je ne te mets pas que la barrière se soulève. Vous savez quoi? Vite. Rendez-vous le mont Chiliad. Ce sera la fin. Comme ça, on aura fait ce qu'on a à faire en mode course-poursuite en plus. C'était pas prévu de base qu'on monte le mont Chiliad en course-poursuite, mais vous le méritez. Non mais, franchement. Vous pensiez m'avoir comme ça? J'avoue, par contre, on n'a pas beaucoup de vie. Est-ce que c'est possible, genre, de me donner une protection pendant que je conduis? Et oui, moi je sais faire plusieurs choses en même temps. Voilà, hop. Tout va bien. Let's go. Avec notre moto, course... J'aurais peut-être dû faire en sorte d'avoir 5 étoiles. Parce que quand ils sont à 3, ça va, hein, ils peuvent nous embêter. Mais c'est pas encore ça. Alors que 5... Oh là là, oh là là. Ouh. Je pensais pas prendre le tout gamin. Oh, je vends. Oh là, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oui, je parle très bien anglais. Et ouais, si vous voulez la traduction... Ce sera dans une prochaine... Non, 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 s'il te plaît, pas deux fois, pas deux fois. Ouf, 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 ouf. Oh là là. C'est magnifique ce que tu viens de faire. C'était prévu, hein. Franchement, je connais pour qui. C'était prévu, magnifique, 10 sur 10. Comme quoi, le talent, ça ne se perd pas. Je l'ai et je le garderai à vie. On va passer par là. Changeons nos habitudes. J'espère juste qu'à un moment, je ne serai pas enfermé à cause de ce choix. Parce que parfois, quand tu veux prendre le mont Chiliad par un côté qu'il faut pas, eh bien le jeu te dit... Tu aurais peut-être pas dû... Oh, bah attends, le mont Chiliad, c'est là-bas. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je passe partout sauf par le mont Chiliad. C'est la rave. Regardez comment on va vite, là, comment on va vite. Ouf. Et voilà. C'est marrant comment il a glissé sur le rondin de bois, de fer. Ouais, d'un côté d'un chemin de fer. C'est bon. Allez, on va prendre la route. Attendez. Voilà. Attention. Aïe. Il fait il fait les sauts de planer. Et c'est bien. C'est, comme je veux dire, vous voyez les vidéos en mode libre où, franchement, j'ai rien prévu à l'avance. La seule chose que j'avais prévue à la base, c'était de me dire, on part au mont Chiliad avec la moto, en essayant de faire des cascades, et on se retrouve à faire vraiment tout et n'importe quoi. C'est ça qui est... Oh, je l'ai pas vu. C'est ça qui est beau. Donc, pourquoi pas une vidéo tous les deux jours en faisant tout et n'importe quoi. Je sais que vous aimez bien, généralement. Parfois, ce sera des très bons épisodes. Parfois, ce sera des épisodes un peu plus calmes. Parfois, ce sera peut-être pas forcément bon, mais... c'est comme tout, hein. Et ouais, vas-y. On sait que tu peux le faire, mon petit cochon. Allez. Vous savez quoi? À partir de maintenant, je n'arrête plus le champignon. Je reste appuyé dessus et je ne le lâche jamais. À part si je me prends un accident. Ça aussi, ça pourrait être une vidéo. Vous voyez, par exemple, aller en ville ou aller à la montagne, n'importe où, mais ne jamais lâcher l'accélérateur, quoi qu'il arrive, à part si on se prend un accident, une voiture ou ce que vous voulez, vous voyez. Par exemple, là, je suis à fond. Hein. C'est juste, pas forcément... On a une montée de 15-20%, c'est sûr que ça va pas être ce qu'il y a de plus simple. Oh là. Et là, on a repris le chemin. Voilà. Que de souvenirs ici, hein. À chaque fois, toi,
Allez, salut. Pff, on l'a bien écrasé, hein. Entendu tous ses os se craquer, se craquinoler, je dirais même. Voilà. J'avoue, moi, le souvenir que j'ai, c'était... De ce que je me souviens, le camion de pompier était assez galère. Il y avait aussi le tank. Ah ouais, le tank, on a galéré, mais on a réussi, hein. Très belle vidéo qu'on est monté. Mais aussi quand on avait fait les courses au tout début de GTA Online. Hein, quand j'étais avec les abonnés et qu'on... Comment dire... Qu'on était monté mon Chiliad tous ensemble en BMX, on avait fait une course. C'est toute première fois on est testé et tout, c'est marrant. C'était vraiment très cool. Oh là là. On se calme. Là, on est bien. On est pratiquement arrivé. J'espère qu'on va pas se fail. Vous voyez, là, il suffit juste de bifurquer à gauche ou à droite. Il y avait aussi, vous rappelez, le défi pimenté. Ça, j'aimerais bien le reprendre, mais maintenant, je suis un peu, pas dire intolérant au piment, mais ça fait mal, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir, hein, défi pimenté sur GTA. Ah là là, c'était très très cool. Ça me rend nostalgique de vous parler de tout ça. Et nous voilà. Oh là là. Qu'est-ce qu'on est beau. Au Mont Chiliad, tous ensemble. Eh ouais, c'est beau, hein. Je vais mettre comme ça. Je vais enregistrer un petit moment. Ce sera peut-être la miniature de la vidéo. Ah, tellement de beaux souvenirs. On adore. Vous savez quoi? Je vais descendre le Mont Chiliad de la meilleure des façons. On va descendre. Attendez, vous savez quoi? On va passer par là. Oh là là, du premier coup en plus. Allez, c'est parti, let's go. On y va. Ouais. Allez. Y a pas un système pour... Attends. Non, ne meurs pas, s'il te plaît. Ne meurs. Non. Bah ouais, Pavel. Bah ouais. Je pensais qu'on allait survivre. Oh là là, allez où la moto? Oh, la moto, elle est loin. Bon, bah je pense que ça va être compliqué de la récupérer. Parce que, bah, pour tous ceux qui se seraient... Voilà. C'est ce qui arrive. Le Mont Chiliad, qu'est-ce qui est bien ici? C'est qu'on peut glisser, bêtement. Et lui, surtout, quand il glisse, hein. Voilà. Le seul truc qui peut nous arrêter... Non, par contre, arrêtez-moi l'enregistrement, s'il vous plaît. Mais non, mais attends. C'est bon, là. Voilà. On va descendre comme ça. Et ce sera... Oh là. Vas-y, cours. Voilà. Ça, j'aime quand il se retient, tu vois, comme ça. Roulade, on saute. Saute, roulade. Voilà. Ninja, roulade, saute. Ça, c'est ce qu'on veut. Vas-y. Allez, vous savez quoi? On va s'arrêter là. On a fait ce qu'on avait à faire. Notre moto, elle est tout en haut, la pauvre. En plus, nous, on est sur le point de faire une longue descente. On n'a même pas fait le quart de tout ça. Je vais vous laisser là, en espérant que vous ayez passé un bon moment sur ma vidéo. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut!